Alors, quelle est votre réaction aux annonces d'Edouard Philippe hier? Eh bien, les annonces, on n'est pas surpris des annonces qu'il a faites. Il a très très bien communiqué, c'était très bien, mais il a plutôt tendance à, comment dire, à renvoyer les négociations, notamment les régimes spéciaux sur les partenaires sociaux, et il va nous refaire le coup d'assurance, l'assurance chômage, quoi. Et puis, on avait déjà plus ou moins tous les éléments pour comprendre que la réforme n'allait pas être bonne pour les travailleurs, quoi. Et là, sur Bressuire, ce matin, donc une opération de tractage, comment ça s'est passé? Oui, ce matin, on a fait une opération de tractage depuis 7h30 au rond-point de Felabès. Donc, on a tracté sur les quatre voies principales. Et il y a une très, très bonne réception. Moi, j'étais au rond-point de, comment dire, la direction en venant de Parthenay. Moi, je trouvais que c'était très bien. Les gens étaient très réceptifs. Il y en a même un qui m'a donné un gâteau, toi. Ça m'a fait plaisir. Je pense qu'il y aura du monde mardi prochain à la manif à Bressuire. Voilà. Les autres adhérents de d'autres organisations syndicales nous rejoignent pour être plus forts et puis faire un front uni contre cette réforme, contre l'attaque, contre le système de retraite par répartition, et puis qu'on veut transformer en, comment dire, on veut transformer notre régime de retraite par répartition en régime de retraite par capitalisation. Et ça, c'est très dangereux. Voilà. Il faudrait que chacun se fasse sa propre retraite. En fait, on individualise les travailleurs, et ça, c'est dangereux, parce que celui qui gagne le SMIC, il ne pourra jamais se faire sa propre retraite. Voilà.